la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va cuisiner, on va faire le ménage, on va faire un peu des rangements. J'ai des linges à faire, peut-être je vais changer les draps dans ma chambre. Donc, on a un tas de choses à faire. Vraiment, cette année, je m'excuse. Je ne pense pas que nous aurons les vlogmas. C'est trop tard. Mais également, je travaille beaucoup. J'ai presque pas beaucoup de temps libre à la maison pour produire des vidéos. Mais avant Noël, si Dieu fait grâce, nous aurons 2 ou 3 vidéos. En tout cas, vous allez considérer ça comme vos vlogmas de cette année. Donc, il est à peine 8h20. C'est le matin. Je dois directement commencer avec la cuisine et un peu des ménages. Ma maison n'est pas très sale, le sol. Je dois juste démarrer le robot et faire les tables, les poussières. Juste un ménage rapide. J'ai un peu de rangement que je dois faire dans ma cuisine. Donc, je vous prends avec moi. Si j'aurai suffisamment du temps pour filmer, je vais monter à l'étage pour organiser ou ranger aussi la chambre de mes enfants. C'était le matin, il fallait que je commence par mon petit ménage de la maison. Donc j'ai commencé par mon salon qui n'était pas très sale, mais puisque les enfants avaient joué ici avec leur père à la veille, il fallait ramasser les coussins et puis faire les tables parce que ils touchent toujours et leurs petits doigts laissent toujours des marques. Juste essuyer les tables et ça fera l'affaire. Pour le sol, j'ai mon assistant ménage, le robot Rock, qui va m'aider à le faire et on évolue comme ça un peu plus rapidement. Dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous êtes déjà plongé dans l'esprit de la Noël? Comment ça se passe un peu l'ambiance chez vous et dans votre ville? Nous, ça va. En tout cas, l'esprit de la Noël est là. L'ambiance est là et nous sommes juste très heureux. Moi, je suis juste choquée par la vitesse de cette année 2023. C'était tellement rapide que je me dis, waouh, nous vieillissons, hein? Et bien présentable. D'ailleurs, je venais de faire un petit home tour sur Instagram. Là, je passe à la cuisine. Au menu du jour, c'était les épinards que j'ai fait avec les champignons et les crevettes. Et j'ai fait aussi la viande de l'agneau que j'ai sauté sur ma poêle. Et je vais finir la cuisson au air fryer. Ces deux belles recettes vont juste vous régaler et elles sont très faciles à réaliser. Je vais vous laisser un peu en musique le temps que j'apprête tous mes ingrédients qu'il faut pour mes recettes. C'est comme ça que je fais, surtout quand je dois filmer mes shorts YouTube. J'apprête tout comme ça que la vidéo soit rapide à enregistrer. Parce que quand tout n'est pas apprêté, tu vas te retrouver, tu as filmé beaucoup de choses. Et quand il faut réduire ça à 60 secondes, c'est compliqué. Du coup, j'apprête tout et je démarre avec la recette. Je filme et c'est rapide. Voilà.
là, on va commencer avec notre recette des épinards. J'ai préféré faire ça avec l'huile de palme parce que ça a un très bon goût par rapport à l'huile végétale. Donc, j'ai commencé par frire mes légumes, oignons, poivrons verts, ail. Je vais ajouter les aubergines, les champignons, enfin les crevettes. Quand le tout va très bien cuire, j'ai assaisonné aussi avec mon complete seasoning et j'ai laissé un peu mijoter, que je me rassure vraiment que les champignons ont cuit et les crevettes ont cuit. C'est vraiment vers la fin que je viendrai ajouter les épinards parce que les épinards, ça traîne pas au feu. Surtout si vous voulez garder la couleur, mettez ça dans les 6 à 7 dernières minutes de votre recette et vous allez réussir. Gonna be you and me. Vous voyez, c'est vraiment vers la fin que j'ai ajouté les épinards et ça ne tardera pas à cuire en tout cas. Ça cuit au bout de 6 à 7 minutes. Vous voyez, apparemment, c'est beaucoup, mais de toute façon, les épinards diminuent dans la casserole, vous serez juste choqués. Ça va baisser, ça sera juste une quantité décente pour une famille de 5. Simple à réaliser. Voici les résultats de mes épinards aux champignons et crevettes. Je vais sans tarder passer à ma deuxième recette qui était les côtelettes de l'agneau. Voilà, je vais découper ça un peu en gros. Généralement, quand j'ai besoin des petits morceaux, j'achète ce qui est déjà coupé. Mais quand j'achète des côtelettes comme ça, je préfère couper deux deux au lieu de un un. Voilà. Donc, je vais bien laver ça avec mon citron, ensuite découper. Je vais assaisonner avec beaucoup d'herbes fraîches et c'est juste très, très bon. Très, très bon. Moi, j'aime bien l'agneau. Mon mari, il aime bien l'agneau et j'ai différentes recettes de l'agneau. Je prépare ça à chaque fois différemment. C'est juste très intéressant.
assaisonner ça à votre goût, mais moi, j'ai préféré utiliser les persils, le romarin, j'ai utilisé le poivre blanc, la muscade, le soy sauce, un peu d'huile, le lemon seasoning. Et puis, je crois que j'ai aussi utilisé quoi d'autre? Le complete seasoning à la place du sel, voilà. Alors pour griller un peu la viande, là, j'ai ajouté encore d'autres romarins dans ma poêle avec des gousses d'ail. Donc, je vais cuire ça de façon que ça devient doré de partout. Quand ça sera bien doré, je vais continuer le processus des cuissons dans ma friteuse à air. Voilà. Donc, c'était aussi bon pour que les herbes là puissent bien pénétrer dans la chair. Donc, je prends vraiment mon temps. J'étais en train de gérer le feu. Parfois, je mets un feu un peu fort. Parfois, je mets un feu un peu doux juste pour avoir la couleur que j'aurais cherchée. Et comme ça, j'ai laissé ma viande dans ma friteuse à air pendant près d'une heure à un feu doux. Je crois que j'avais mis 175, quelque chose comme ça, pendant une heure et la couleur n'a pas changé. C'était juste que la chaleur rentre vraiment à l'intérieur pour que ça puisse bien cuire. Moi, je suis africaine et j'aime pas que ma viande soit saignante à l'intérieur. J'aime que ça soit vraiment fully cooked. Et c'était le cas parce que je vais même couper un morceau là. Et vous allez voir la texture de l'intérieur. C'était vraiment complètement cuit. La viande, elle était bien tendre, la couleur, elle était juste parfaite, rien à dire. Vous allez voir même le petit morceau là va tomber tellement que c'était bien tendre. Donc dites-moi, quelle est la viande ou le repas que vous prévoyez faire à Noël? Moi, je ne sais pas encore, sincèrement, je ne sais pas encore ce que je vais faire à Noël. Donc quand j'ai terminé à faire à manger, j'ai lavé juste les assiettes et je suis montée à l'étage pour arranger les lits des enfants et je vous prends avec moi, bien sûr. La Noël cette année, c'est un peu catastrophique. Je n'ai pas eu le temps de décorer la chambre de mes enfants. Et là, c'était déjà le 20 décembre. Je me sentais déjà un peu coupable parce que je les ai habitués à ça. Alors, j'ai pris juste leur blanquette de Noël que j'avais utilisée l'année passée. J'ai ajouté sur les lits
pour que ça ramène un peu l'ambiance aussi dans leur chambre. Et je vais passer l'aspirateur. Je ferai la même chose dans la chambre de la petite Cassie. Je vais ajouter quelques bonhommes là dans son armoire, sur son armoire ou étagère. Voilà, je sais pas comment appeler ça. Et puis je vais aussi ajouter le blanket de Noël sur son lit aussi. Vous allez voir ça bientôt. Regardez jusqu'ici, je vous dis infiniment merci. Je dis bon retour à mes anciens et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, vous êtes chez vous, déposez vos valises où vous voulez. Le tableau là, ça venait de ma chambre, je ne savais où le mettre. Je l'ai laissé dans la chambre de la petite. Là, je voulais juste tenter si ça sera beau dans sa chambre. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est beau, je vais installer ça ici et après la Noël, je trouverai quelque chose d'autre pour ma chambre. Voilà, les enfants m'ont un peu embrouillée, j'étais obligée d'arrêter de filmer. Mais j'ai fini le lit de la petite, j'ai rangé les livres qu'il y avait à ranger, voilà. J'ai fait les petits rangements, là je vais faire descendre le verre pour ne pas oublier. Voilà, donc la chambre de la petite est propre, mais j'ai un panier des habits à plier. Je vais les faire rapidement avant de descendre. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. As they walk. Bon, c'est pas mal, hein. Sans rien dépenser, j'ai réussi quand même à ramener l'ambiance de la Noël dans les chambres des enfants, voilà, dans leur toilette, juste des petits essuies avec un petit sapin, des petits cadeaux au pied du sapin. Leur toilette était propre, les chambres un peu décorées. Bon, si je peux appeler ça décoration, c'est tellement minimaliste, mais c'est juste beau et simple pour les enfants. Pas besoin et dépenser beaucoup d'argent. Je vais descendre. C'était déjà le soir. J'ai filmé différentes heures de la journée. C'était déjà le soir. Je suis rentrée dans ma cuisine
J'ai nettoyé l'évier, j'ai essuyé les comptoirs et entre-temps, j'étais en train de faire mon pot pourri pour absorber l'odeur des nourritures. Quand je finis de préparer, j'enlève toujours les odeurs des nourritures dans la maison parce que ma cuisine est mélangée au salon, salle à manger. C'est comme une grande pièce avec tout dedans, la cuisine américaine. Donc, c'est tellement ouvert que tu dois veiller à ce que ça sente bon. Quand tu finis de cuisiner et tu ne parfumes pas, c'est tellement désagréable. Donc, j'ai fait mon pot pourri, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et c'était tout pour cette vidéo. Je suis très contente que j'ai réussi avec mon busy schedule à vous filmer quelque chose et à vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi vos likes. Je vous retrouve dans la prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Si Dieu voulant, peut-être avant la Noël, mais je ne suis pas sûre. Ce qui est sûr, on va se voir dans les shorts, si possible, tous les 2 jours ou tous les jours. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Passez des bonnes fêtes, surtout prenez bien soin de vous.